qui ont survécu jusqu'à la fin de cette manifestation très riche, très dense. Et nous allons maintenant laisser la parole à Diane Roman, professeure de droit public à Tours, qui nous avait fait la gentillesse de venir il y a 3 ans maintenant pour intervenir dans le cadre d'un colloque consacré au handicap et qui a accepté la lourde charge de faire la synthèse des travaux de ces 2 journées. Diane, nous te laissons la parole pour une quarantaine de minutes, dont je sais d'avance qu'elles seront particulièrement stimulantes et intéressantes. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous de rester malgré la fin de la journée, la fin de la semaine. Je ne sais pas si ces conclusions seront stimulantes, comme vous l'a dit un peu imprudemment François Caffarelli. En tout cas, j'espère qu'elles feront honneur à ces 2 jours absolument passionnants qui nous ont réunis. Juste avant de commencer, je voudrais adresser un remerciement très sincère à Cathy Pomar et François Caffarelli pour l'organisation de cette magnifique rencontre. Également, j'associe tous mes remerciements à l'équipe administrative de la faculté de droit de La Réunion qui a organisé tout ceci de main de maître et qui à chaque fois nous réserve un accueil absolument chaleureux. Donc j'ai eu la chance de déjà venir, j'espère avoir le privilège de revenir un autre jour à nouveau pour vous retrouver. Alors, c'était un colloque marathon, indiscutablement, puisqu'il y a eu une quarantaine d'interventions sur des sujets parfois très différents, qui avaient évidemment tous en commun la question de la vulnérabilité, mais devant l'ampleur de la tâche, j'ai un peu renoncé à faire une synthèse qui soit absolument exhaustive, et j'ai fait le choix de privilégier une approche transversale, de façon à pouvoir cerner un peu mieux, grâce à vos interventions, vos questions également, cerner un peu mieux cette notion de vulnérabilité dont nous avons vu à travers les 2 journées qui nous ont réunis, dont nous avons vu qu'elle était au cœur d'un certain nombre de dispositions textuelles ou, lorsqu'elle n'apparaissait pas explicitement, qu'elle était présente derrière un certain nombre de mécanismes juridiques ou de politiques publiques. Juste pour nous donner continuer à nous donner le tournis. Nous avons vu finalement la vulnérabilité un peu partout. On a vu la vulnérabilité des personnes, évidemment, mais également la vulnérabilité des territoires, la vulnérabilité des projets, la vulnérabilité des communautés. Et quand on regarde d'un peu plus près les textes, on est passé du droit pénal, par exemple, où on a vu ce matin encore que la vulnérabilité peut caractériser aussi bien la victime que l'auteur d'une infraction. On l'a vu également en droit social, à travers les différentes tables rondes qui portaient sur le vieillissement, le handicap, sur l'action économique et sociale. Et on a un certain nombre de textes, d'ailleurs, qui nous disent que l'action médico-sociale, par exemple, l'action médico-sociale a pour objet de procéder à une évaluation continue des besoins des personnes handicapées, des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, dit le texte. Il y a d'autres dispositions encore que l'on n'a pas vues pendant ces 2 jours, il y en avait déjà beaucoup, mais sachez que par exemple dans le code de la route, il est également question de vulnérabilité puisqu'il est dit à l'article R412-6 que le conducteur doit faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables. Alors on peut penser qu'il s'agit des cyclistes et des piétons, il aurait peut-être fallu faire une table ronde sur le sujet, mais en tout état de cause, cela montre que la vulnérabilité est partout. Alors, elle est partout au point que certains auteurs ont pu critiquer cet usage désormais abondant de la notion. Je pense notamment à un sociologue suisse, Marc-Henri Soulet, qui a dit que cette notion pouvait peut-être procéder d'un certain succès injustifié, que c'était une mode intellectuelle et qui finalement a remplacé d'autres notions qui ont été à la mode avant elle. Il fut un temps où l'on parlait de marginalité, puis la marginalité a été remplacée par la nouvelle pauvreté.
pauvreté. Puis après, il y a eu la mode de l'exclusion sociale et désormais celle de la vulnérabilité. Il y aurait donc ici un effet de mode qui s'inscrit d'ailleurs dans un contexte un peu particulier, celui de la transformation des politiques sociales et peut-être à la faveur de la crise, des différentes crises, et notamment la crise d'austérité, peut-être que l'usage de la notion de vulnérabilité permet de justifier un certain nombre de transformations dans les politiques sociales. Alors, j'ajouterais peut-être à l'explication de ce sociologue une autre cause de ce succès de la notion de vulnérabilité, qui est peut-être une explication plus juridique. Pourquoi une explication juridique ? Parce que l'on sait que désormais l'accent est mis sur les droits subjectifs, l'accent est mis sur la protection de l'individu, et très certainement la notion de vulnérabilité permet d'individualiser un certain nombre de situations et de mettre l'accent sur l'individu titulaire de droit plus que sur la dimension collective qui a pu caractériser les politiques sociales qui ont construit notre modèle national. Mais en tout état de cause, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une notion qui est à la mode et qui contribue à rendre plus complexe un certain nombre de dispositifs juridiques parce que cette notion, elle s'ajoute à celle qui existait déjà. La notion de vulnérabilité n'a pas remplacé des notions plus anciennes, elle s'ajoute à des dispositifs qui existent. On sait par exemple que dans le champ de la protection sociale, la notion de pauvreté, la notion d'exclusion sociale est toujours utilisée par les textes et la vulnérabilité ajoute une dimension spécifique supplémentaire. On sait que dans le champ du droit sanitaire, du droit social, les notions de handicap, les notions de dépendance, les notions d'inaptitude sont toujours utilisées et qu'il faut désormais les combiner avec celles de vulnérabilité, ce qui n'est pas toujours évident. Prenons juste un exemple. Dans le Code de l'action sociale et des familles, il y a une disposition à propos des plans d'alerte d'urgence. Vous savez, notamment depuis la canicule de l'été 2003, eh bien, l'article L116-3 du Code de l'action sociale et des familles affirme la nécessité de mettre en place un plan d'alerte d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risque météo exceptionnel. Et ce plan, nous dit le texte, doit prendre en compte la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement. Donc vous voyez qu'à la catégorie générique des personnes âgées et des personnes handicapées s'ajoute celle des personnes qui, au sein de ces catégories, seraient encore plus vulnérables. Et puis évidemment, et ça il en a été beaucoup question hier matin dans le cadre de la première table ronde, la notion de vulnérabilité s'ajoute à celle plus traditionnelle d'incapacité. On sait qu'en ce qui concerne les personnes protégées, les majeurs protégés, la notion d'incapacité fonctionne depuis le début du code Napoléon et que désormais, dans le discours doctrinal, la notion de vulnérabilité tend à la concurrencer sans la supplanter, avec une idée commune derrière les deux notions d'incapacité juridique et de vulnérabilité. C'est cette idée que la personne peut, à certains moments, avoir des difficultés à exercer seule les attributs de la personnalité juridique, donc c'est-à-dire à exercer seule les droits qui lui sont reconnus, les obligations qui lui sont dévolues, et cela peut justifier des mesures spécifiques de protection qui nous ont été rappelées. Mais on sait aussi que si vulnérabilité et incapacité sont très liées, elles ne sont pas exactement symétriques, elles ne peuvent pas se superposer l'une à l'autre, et qu'il y a des personnes vulnérables qui ne sont pas en situation d'incapacité et qui ne bénéficient pas de ces dispositifs de protection. Il y a des personnes handicapées qui ne sont soumises à aucun régime de protection. Pourtant, elles peuvent être considérées comme vulnérables au regard d'autres dispositifs. Donc très certainement, l'émergence avec succès de cette notion de vulnérabilité dans les dispositifs juridiques est un signal sur lequel il faut s'interroger. Et un signal sur lequel je vous propose de réfléchir en deux temps, en essayant de tenter, à partir des différentes communications qui ont été faites, de tenter une définition
transversale de la notion de vulnérabilité, et puis également en essayant d'inventorier les différents effets juridiques que cette notion peut produire et les modifications qu'elle peut apporter à l'ordre juridique. Et donc, je vous propose de voir d'une part comment la vulnérabilité est une notion certainement perturbatrice puisqu'elle brouille les lignes d'un certain nombre de régimes juridiques, et puis d'autre part de voir qu'il s'agit également d'une notion régénératrice, puisque par ses effets juridiques, elle conduit à repenser un certain nombre de notions juridiques qui sont centrales. Donc premier élément, la vulnérabilité est certainement une notion perturbatrice. C'est une notion perturbatrice puisque elle apparaît dans des contextes différents et parce qu'elle remplit différentes fonctions qui résultent en fait de ses caractéristiques qui sont tout à fait singulières. Et donc je vous propose de voir tout d'abord d'essayer d'identifier, hein, c'est une piste de réflexion, d'essayer d'identifier ces différentes fonctions remplies par la notion de vulnérabilité et puis de voir ces caractéristiques qui me semblent être au nombre de trois. Alors, première idée, la vulnérabilité est une notion perturbatrice, certainement, parce qu'elle est polysémique et elle remplit différentes fonctions. Et au fil des interventions, j'ai cru identifier que finalement, on devrait parler de vulnérabilité au pluriel. Il y aurait peut-être trois formes de vulnérabilité construites par le droit, et à chaque vulnérabilité serait associée une fonction spécifique. Première fonction de la vulnérabilité, dans certaines occurrences, dans certains dispositifs, la vulnérabilité tend à protéger contre un certain nombre de risques, et notamment des risques de blessure ou des risques de fragilité. Il a beaucoup été dit d'ailleurs que l'étymologie de vulnérabilité renvoie à la notion de fragilité, et il me semble que ça apparaît tout particulièrement dans le champ du droit pénal et qui a été étudié lors de la table ronde numéro 5, où l'on voit que la vulnérabilité tend à protéger l'intégrité physique, l'intégrité psychique de la personne dans l'instauration d'un certain nombre d'infractions visant à réduire les risques de fragilité ou réduire les risques de blessures. Donc, première fonction de la vulnérabilité, protéger contre la blessure, protéger contre la fragilité. Il y a une deuxième fonction qui apparaît dans d'autres occurrences de la vulnérabilité. Et là, il s'agit moins de protéger contre la fragilité que de protéger contre le risque de dépendance. Alors, la dépendance, elle a souvent été évoquée, spécifiquement en ce qui concerne les personnes âgées, mais il me semble qu'elle a une signification plus large, puisqu'il s'agit ici de protéger la personne grâce à l'intervention d'un tiers, de protéger la personne pour assurer sa protection contre des menaces qui pèsent sur sa sécurité. Et cette deuxième occurrence de la vulnérabilité, destinée ici à protéger contre une insécurité, elle est entendue assez largement. Ça peut être la sécurité matérielle, ça peut être la sécurité corporelle, ça peut être la sécurité environnementale, comme on vient de le voir. Et quelquefois, il s'agit également de sécurité juridique. Cette protection contre la dépendance, elle est associée également à une troisième fonction de la vulnérabilité, donc une troisième justification de dispositif protégeant les personnes vulnérables, qui, me semble-t-il, ne vise plus à protéger la sécurité et le risque de dépendance, qui ne vise plus à protéger la fragilité de la personne, mais qui vise très certainement à protéger contre des risques de domination. Alors, domination, le terme n'a pas été employé expressément, mais on l'a retrouvé dans un certain nombre d'interventions, notamment je pense par exemple à celle de Pascal Puig sur l'abus de dépendance. Je pense également à d'autres interventions dans le champ pénal sur l'abus de faiblesse. Je pense aussi aux interventions qui ont été prononcées en matière de droit des incapacités et qui soulignaient qu'il y avait des incapacités spéciales de jouissance dont étaient frappées certaines personnes
personnes qui se trouvaient en situation de pouvoir face à d'autres, qui étaient vulnérables et qu'à ce titre, eh bien, elles ne peuvent acquérir de biens de personnes vulnérables dont elles sont chargées d'assurer la protection. Derrière tous ces dispositifs, on a bien l'idée que la vulnérabilité va résulter d'une situation de subordination et que de cette situation de subordination peut résulter un certain nombre de risques pour les personnes dont il faut les protéger. Donc on a, me semble-t-il, à travers ces trois finalités, la protection de l'intégrité physique, psychique de la personne, la protection de la sécurité de la personne et la protection contre la dépendance, on a bien cette idée que la vulnérabilité renvoie à des préoccupations sociales qui sont assez diversifiées. Et ces préoccupations sociales diversifiées, elles justifient l'usage d'une notion qui finalement est assez polysémique, puisqu'elle renvoie à des hypothèses très, très différentes. Alors, pour continuer l'étude de cette notion perturbatrice, hein, il me semble qu'il faut également voir d'un peu plus près les caractéristiques de cette notion. Et je vous le disais, il me semble que la notion de vulnérabilité a au moins trois caractéristiques qui ont été soulignées les unes et les autres différemment par beaucoup d'interventions qui ont eu lieu durant ces deux jours. Parce que finalement, qu'est-ce qui ressortait? Si l'on essaye de définir la notion de vulnérabilité, qu'est-ce qui ressortait de ces différentes communications? Eh bien, trois mots. Trois mots qui ont été prononcés très très régulièrement. Premier mot, l'idée que la vulnérabilité est doit être définie de façon situationnelle. C'est une situation, nous a-t-on dit souvent. Deuxième idée, deuxième mot qui a souvent été employé, la vulnérabilité, elle est relationnelle, elle est intersubjective. Elle se mesure dans une relation entre au moins deux personnes. Et troisième mot qui est revenu moins fréquemment, mais qui a été souligné, l'idée que la vulnérabilité, c'est une notion capacitaire. C'est une notion qui permet non pas simplement de souligner des faiblesses, mais de donner du pouvoir aux personnes. Alors, si on détaille ces trois caractéristiques, en commençant par la première, l'idée que la vulnérabilité est une notion d'abord situationnelle, on a entendu beaucoup d'intervenantes et d'intervenants nous souligner qu'il fallait dépasser l'approche catégorielle de la vulnérabilité et qu'il fallait renoncer à dresser des typologies de personnes vulnérables. Pourtant, c'est une tentation à laquelle les textes cèdent très souvent. Si vous lisez par exemple, je prends un exemple parmi d'autres, si vous lisez la directive européenne asile de 2013, vous voyez, donc à propos des demandeurs d'asile, que les États ont l'obligation de tenir compte de la situation des demandeurs d'asile vulnérables. Et qui sont les demandeurs d'asile vulnérables? Eh bien, suit toute une énumération. Alors, personnes vulnérables telles que les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite d'êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux, les personnes qui ont subi des tortures, les personnes exposées à des risques de mutilation génitale féminine, etc. Donc c'est l'exemple typique d'énumération, finalement, d'hypothèses de vulnérabilité. Alors, on peut se tenir à cette approche et essayer ensuite de raffiner l'analyse en voyant que les personnes peuvent quelquefois être exposées à des risques de vulnérabilité en raison de caractéristiques qui leur seraient intrinsèques, qui seraient propres à leur personne. C'est par exemple l'âge, la maladie, l'orientation sexuelle qui pourraient être des facteurs de vulnérabilité. On peut aussi dire que dans certains cas, la vulnérabilité, elle va résulter de considérations extrinsèques à la personne. C'est le fait, par exemple, d'être en situation d'être incarcéré, le fait d'être détenu, le fait d'être migrant, le fait d'habiter dans une zone à risque, hein, la localisation peut être un facteur de vulnérabilité. Puis on peut combiner les deux, on peut dire aussi, et ça a été souvent relevé, que la vulnérabilité, elle peut résulter de la combinaison de différents facteurs intrinsèques, extrinsèques, c'est le migrant, mineur, non accompagné, vous avez trois facteurs de vulnérabilité.
pour prendre les exemples qui ont été donnés au cours des deux derniers jours, vous vous souvenez de l'exemple de Michael, par exemple, qui nous a été présenté par David Motet. Michael, c'est ce jeune homme usager de drogue, régulièrement incarcéré, et qui est parent d'un enfant handicapé et dont la vulnérabilité a été soulignée par David Motet. Vous rappelez aussi peut-être de l'exemple de Mathieu qui nous a été présenté ce matin par José Alamelou. Mathieu, c'est ce jeune homme avec un retard mental, usager de drogue, délinquant récidiviste. On a là différentes illustrations de personnes vulnérables en raison d'une combinaison de facteurs de vulnérabilité. Ça, c'est donc une approche qui est vraiment catégorielle. Mais que nous ont dit quasiment tous les intervenants, c'est qu'il fallait dépasser cette approche catégorielle parce que la vulnérabilité, elle ne résulte pas de la combinaison d'un ou plusieurs facteurs. La vulnérabilité, c'est une caractéristique commune à l'ensemble des êtres humains. C'est pas un statut stigmatisant qui serait réservé à certaines personnes faibles, c'est une caractéristique humaine. Nous sommes toutes et tous vulnérables, nous l'avons été, nous le serons à des moments différents de nos vies, mais du berceau jusqu'au lit de soins palliatifs, nous pouvons nous trouver dans des situations de vulnérabilité. Il y a un auteur, Fred Pochet, qui d'ailleurs dit que parler d'une personne vulnérable ou fragile n'est pas plus logique que d'évoquer l'existence de personnes mortelles. On ne parle pas de personnes mortelles, nous sommes toutes et tous mortels, ça nous le savons même si nous essayons de ne pas y penser tous les jours, mais nous sommes toutes et tous également vulnérables. Et je crois qu'au titre de cette première caractéristique, donc le fait que la vulnérabilité soit une notion situationnelle, il est très important de garder cette idée à l'esprit et de garder le fait que la vulnérabilité est une caractéristique commune de l'humanité, puisque cela permet d'éviter ce risque de réduction des personnes à des statuts qui peuvent être des statuts stigmatisants ou en tout cas des statuts enfermants dans lesquels les personnes sont présumées vulnérables. Et on a eu beaucoup d'interventions, notamment lors des tables rondes numéro 2 sur la vulnérabilité et la santé, ou des tables rondes numéro 4 sur vulnérabilité et migrants, nombreuses interventions donc qui ont souligné qu'il ne fallait pas assigner à des catégories, que c'était un leurre, hein, je cite là une intervenante, et qu'il faut penser la vulnérabilité de façon situationnelle afin de sortir de ces catégories rigides et afin, j'y reviendrai tout à l'heure, d'apporter des réponses qui soient des réponses individualisées et qui soient adaptées. Alors, deuxième caractéristique, la vulnérabilité donc est une notion situationnelle, c'est aussi une notion qui est intersubjective ou qui est relationnelle. Relationnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vulnérabilité en soi et que la vulnérabilité, elle s'apprécie toujours dans une situation par rapport aux autres. Tout comme la définition du handicap qui nous a été rappelée par François Caffarelli souligne qu'il n'y a pas de handicap en soi, cela dépend du contexte dans lequel est la personne. Et je crois que penser la vulnérabilité, non pas comme une fragilité inhérente à la personne, mais penser la vulnérabilité comme une sensibilité à une pression qui est exercée par un tiers, par un environnement, cela permet de mieux comprendre un certain nombre de dispositifs et cela permet d'éviter un certain nombre de risques. Quel risque ? D'abord le risque de la stigmatisation, le risque de la culpabilisation. Finalement, si on pense que la vulnérabilité est liée à une situation individuelle, on oublie la responsabilité sociale, la responsabilité de la société qui crée la vulnérabilité en disant « bah ouais, c'est de sa faute, hein, elle est vulnérable, elle est faible, elle est fragile, elle ne peut pas s'adapter ». Et puis également, penser la vulnérabilité de façon relationnelle, cela permet de penser les responsabilités de la société à l'égard des personnes et cela permet de penser du coup les obligations sociales, collectives que nous avons les uns par rapport aux autres. Deuxième caractéristique, la vulnérabilité est une notion relationnelle ou intersubjective. Troisième caractéristique qui a été évoquée par certains intervenants, la vulnérabilité est une notion qui doit être pensée comme capacitaire.
Alors, capacitaire, de quoi s'agit-il? Eh bien, cela a été dit, la vulnérabilité, elle renvoie à la potentialité. À la potentialité d'une fragilité, la potentialité d'une faiblesse, la potentialité de la réalisation d'un risque, mais pas seulement. Elle peut aussi, cette notion de vulnérabilité, renvoyer à une possibilité de surmonter les risques, les faiblesses, les fragilités. Ça a été souligné par plusieurs intervenants, je pense notamment à Bérénice Doré hier, mais de façon un peu plus globale, moi ça m'a frappé lorsque j'ai essayé de faire la synthèse de la situation locale, de la situation réunionnaise. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre les exemples des personnes, pensons au territoire de la Réunion. Parce qu'au fil des interventions, il y a un certain nombre de chiffres assez inquiétants qui ont été donnés sur la Réunion et qui pourraient finalement caractériser une certaine fragilité de cette région. Je donne quelques chiffres. Un enfant sur 100 atteint d'un syndrome d'alcoolisme fœtal, 33% de la population illettrée, 5 féminicides par an dans le cadre de violences domestiques, peu ou pas de place dans des EHPAD ou dans des ESAT. Hein, j'ai 900 candidatures pour une place en ESAT, 600 personnes en attente pour une place en EHPAD en 2017, 6% du parc immobilier indigne, exposition à des risques naturels majeurs. Si vous voyez ce tableau global, vous pouvez vous dire qu'effectivement, il y a là des risques potentiels. Mais la vulnérabilité, elle se caractérise pas seulement par des risques, elle se caractérise aussi par la possibilité de surmonter ces risques. Et là, à l'échelle de la Réunion, on voit aussi ce potentiel formidable qui existe. Moi, j'ai été frappée par le dynamisme des différents intervenants qui montraient un investissement associatif extrêmement fort, un investissement institutionnel, également professionnel. Il y a quelqu'un qui parlait de la capacité de la Réunion à être innovante, notamment sur les questions du handicap, sur les questions du syndrome d'alcoolisation fœtale, sur la question de la protection contre les violences conjugales, contre les risques naturels, ça vient d'être rappelé. Et l'on voit bien ici qu'il ne faut pas se cantonner à un tableau misérabiliste de la vulnérabilité aussi bien du département région réunionnais que des personnes, c'est aussi la capacité à pouvoir surmonter ces différents risques ou fragilités grâce à des formes d'accompagnement, des formes d'action sociale qui permettent à la fois de prévenir la réalisation de ces risques et aussi de les réparer. Et là, on a eu toute une série d'exemples. Je pense par exemple aux différentes interventions d'associations en particulier ou de collectifs qui ont souligné combien par un travail de terrain en direction des personnes, il était possible de rendre fortes des personnes en situation de fragilité et combien donc la vulnérabilité a priori constatée pouvait donner lieu à ce qu'on dit, on appelle en bon français un empowerment, c'est-à-dire une capacité à rendre autonome. Alors c'est complètement arbitraire comme choix parce que je ne peux pas citer tout le monde, mais dans la table ronde numéro 1, l'intervention de Chantal Jouvenot sur le CVIF, l'intervention des responsables de la case Marmaillon dans la table ronde numéro 2, l'intervention de la PJJ d'Étienne Demarle notamment ce matin, ou encore celle de Serge Tardy du pôle de prévention et de lutte contre les exclusions. Il y avait un point commun hein, dans ces différentes communications, cette idée qu'on peut restaurer les capacités des personnes. On peut restaurer les capacités des personnes grâce à un accompagnement adapté. Et en disant ça, du coup, c'est déjà s'orienter vers les effets potentiels de la vulnérabilité et donc passer d'une notion perturbatrice à une notion régénératrice qui va nous permettre donc dans un second temps de réfléchir aux effets de la notion. Alors, si la notion de vulnérabilité est une notion qui peut être qualifiée de régénératrice, c'est certainement parce que elle permet de repenser un certain nombre de notions juridiques centrales ou de dispositifs institutionnels et politiques et de les repenser en contribuant à leur transformation. Et
quels dispositifs et notions juridiques sont en particulier repensés grâce à la notion de vulnérabilité? Bien, j'en ai vu en vous écoutant au moins deux. Il me semble que la notion de vulnérabilité permet d'une part de repenser la notion de consentement et d'autonomie de la personne, et qu'elle permet d'autre part de repenser la notion de solidarité et la notion d'interdépendance. Alors, il y aurait beaucoup d'autres choses auxquelles nous pourrions, que ces deux jours extrêmement riches nous permettraient de revoir. Mais faute de temps, je vais m'en tenir à ces deux dispositifs et notions juridiques. Alors, première notion que la vulnérabilité permet de repenser, c'est celle du consentement et de l'autonomie des personnes. On sait que le consentement, c'est une notion centrale des ordres juridiques occidentaux, et parce que les ordres juridiques se sont fondés sur l'idée que la personne est autonome, qu'elle est rationnelle et qu'elle est capable de faire des choix concernant ce qui lui semble être le meilleur pour elle-même. Donc le consentement est vraiment une notion centrale que l'on retrouve partout, hein, à tout moment de notre vie. Vous consentez à contracter, on en a parlé ce matin, mais vous consentez aussi à des soins médicaux, on en a parlé hier, vous consentez à des propositions des services sociaux, on en a parlé les deux jours, vous consentez à une relation sexuelle, on en a parlé dans quelques interventions. Donc il y a bien une idée extrêmement importante de consentement qui rythme notre vie quotidienne et notre vie juridique de ce fait. Le consentement, le droit affirme qu'il doit être libre et éclairé pour être valide, mais, et c'est là que la notion de vulnérabilité nous fait réfléchir, il n'est pas toujours évident que ce consentement soit toujours libre et éclairé quand la personne est dans une situation d'insécurité, de fragilité, de domination. Alors, là-dessus, les juristes ont eu pendant longtemps une réponse toute faite, disant que le consentement, il est valide, il engage la personne, sauf s'il a été vicié, et il y a la fameuse théorie des vices du consentement qui disent que le consentement est vicié s'il y a eu erreur, contrainte, violence, etc. Ça ne suffit pas toujours, cette approche formelle. Ça ne suffit pas toujours, on l'a vu par exemple hier dans le cadre de la table ronde sur la santé, où l'on voyait bien que dans le cadre de la relation patient-médecin, le consentement, eh bien, il peut s'apparenter finalement à une sorte de soumission. Dans certains cas, de soumission et subir, c'est pas tout à fait consentir. Lorsque on se soumet, est-ce que l'on peut considérer que l'on veut vraiment? Et face à cela, face à des hypothèses qui sont finalement des hypothèses de zone grise, où la personne est dans une situation où elle consent, mais tout en étant contrainte à consentir de par sa situation de fragilité ou de domination, la réponse du droit finalement a pendant longtemps été assez hésitante, parce que l'on peut considérer que dès lors que la personne est capable juridiquement, elle doit toujours consentir, enfin en tout cas elle doit toujours pouvoir consentir, c'est une question de liberté individuelle, c'est une question d'égalité formelle, et l'on n'a pas à entrer dans le détail de l'appréciation de la situation de la personne. À l'inverse, on peut choisir une autre approche et de dire oui, mais quelquefois il y a une inégalité entre les personnes, entre les co-contractants, il y a une inégalité, il y a une asymétrie, certains sont en situation de pouvoir par rapport à d'autres, il y a des facteurs qui peuvent peser sur les personnes et qui peuvent donner à son consentement une sorte de coloration qui soit ambiguë et qui ne se traduise pas par une adhésion pleine et entière à la proposition qui lui est faite. Et on voit immédiatement le risque
qu'il y a à retenir aussi cette approche qui est une approche soucieuse de protection, parce que le risque, c'est de tomber dans une sorte de misérabilisme, c'est de se dire que la personne, finalement, elle est dominée, donc elle ne doit jamais être laissée libre de choisir, il faut la protéger, y compris la protéger malgré elle. Et c'est ce qu'on voit dans différents domaines qui ont été abordés ces deux jours. Hein. Il y a eu des moments où l'on évoquait la tension, par exemple, dans le champ de la relation médicale, la tension entre la bienfaisance et l'autonomie de la personne. D'autres moments, par exemple, la vice-procureure de Saint-Denis, Madame Bresse, a évoqué des poursuites pour abus de faiblesse, où l'on voit bien que le droit peut être une arme ici pour protéger un consentement qui aurait été altéré par des pressions. On l'a vu ce matin, dans le cadre de la table ronde sur les vulnérabilités économiques et sociales, lorsque Pascal Puig a souligné qu'un contrat peut être un piège, même lorsqu'il est librement conclu. Je cite ces mots, et le contrat peut être un piège contre lequel il faut protéger quelquefois le co-contractant qui est vulnérable. Alors, est-ce que les notions de vulnérabilité nous permettent de dépasser ces hésitations et de penser une théorie du consentement qui prenne en compte à la fois l'autonomie des personnes et la nécessité, dans certains cas, de les protéger ? Il y a eu plusieurs interventions en ce sens qui nous le montraient, qui nous disaient en substance que il n'y a pas les vulnérables qui sont protégés d'un côté malgré eux, contre eux, etc. Parce que nous sommes tous vulnérables différemment, à des moments différents, mais nous traversons toutes et tous des situations de vulnérabilité, et qu'il y a finalement, il faut sortir de cette dichotomie entre personne majeure capable de consentir et personne protégée, parce que la vie ne se résume pas à cette deux parties, hein, contrairement à ce que pensent les juristes et leur plan en deux parties, la vie n'est pas binaire, et qu'au fur et à mesure qu'une vie se déroule, on passe par différentes étapes de vulnérabilité où la capacité à consentir doit être envisagée de façon différente selon les moments, selon les situations. Un majeur autonome, il peut aussi être usager de drogue, ce peut aussi être une mère célibataire sur laquelle un certain nombre de pressions vont s'exercer. Ça peut être un patient malade, et qu'il faut apprécier le consentement de façon beaucoup plus fluide, finalement, parce que la vie est faite de transitions, de périodes de vulnérabilité, et ces transitions, elles sont fluides. Donc il faut certainement là se livrer à un chantier qui est un chantier majeur, et que je n'aurais pas la prétention de faire un vendredi soir à 5h alors qu'un cocktail et le beau temps nous appellent. Repenser les théories du consentement, les repenser dans une plus grande fluidité pour éviter ces oppositions binaires qui ne reflètent pas le vécu des personnes. Autre chose qu'il faudrait repenser, que les théories de la vulnérabilité nous permettent de repenser, outre le consentement, c'est la notion de solidarité et la notion d'interdépendance. Repenser la solidarité, repenser l'interdépendance, on y est d'autant plus invité que ces deux jours ont souligné combien, finalement, le modèle classique de l'État social, des politiques sociales, pouvait être inadapté. Le modèle classique de l'État social est inadapté pour aider les personnes en situation de vulnérabilité. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce modèle classique de l'État social est fondé sur la catégorisation des personnes. Hein, par exemple, pour prendre un exemple parmi d'autres, en matière d'aide, d'action sociale, on sait que tout s'organise autour de prestations qui sont calculées selon des situations individuelles et des niveaux de revenus, et que la précarité matérielle des personnes, appréciée selon des grilles qui sont des grilles de ressources fixes, elle aboutit à permettre l'accès à des prestations, à différents minima sociaux, par exemple, comme le RSA, comme l'allocation adulte handicapé, etc. Or,
ce sur quoi vous et moi on peut très certainement s'entendre, c'est que le fait de bénéficier du RSA, le fait de bénéficier de l'allocation adulte handicapé, ça n'aboutit pas à protéger efficacement la personne. Ça lui assure certes un plancher de revenus qui n'est pas dénué d'importance, mais ça ne permet pas de l'accompagner dans les différentes vulnérabilités qui peuvent être sa vie. Donc le droit social, le droit de l'aide et de l'action sociale n'a pas pour effet finalement de garantir l'égalité, il a pour effet de minimiser les effets de l'inégalité et les effets de la pauvreté. Et ça, c'est l'hypothèse la plus optimiste. L'hypothèse la plus pessimiste, c'est d'ailleurs que le droit de l'aide et de l'action sociale, il contribue à accroître la vulnérabilité des personnes. Comment cela ? Eh bien, vous êtes toutes et tous au courant, par exemple, des difficultés que peuvent avoir certaines personnes à bénéficier de certaines prestations. On constate un phénomène de non-recours aux prestations sociales qui est très important et qui est souvent lié à la complexité des dispositifs permettant de bénéficier de ces prestations. Donc on voit que les politiques classiques redistributrices de l'État social ne suffisent pas à prendre en compte la vulnérabilité des personnes et qu'il faut réfléchir à de nouveaux procédés, de nouvelles modalités d'action. Et ces modalités d'action, elles ont été évoquées tout au long de ces deux jours, puisque qu'ont souligné les différentes interventions, et bien qu'il fallait mettre l'accent sur l'interdépendance. L'interdépendance, pourquoi ? Parce que les individus isolés n'existent pas. Ça revenait souvent, cette idée qu'il n'y a pas d'individus isolés, que nous sommes toutes et tous dans différents réseaux, des réseaux familiaux, des réseaux locaux, des réseaux nationaux, et que de ces différents réseaux jaillissent un certain nombre de protections contre la vulnérabilité. Alors, j'aurais voulu remettre à l'écran la diapositive, évidemment, elle s'est éteinte. Je voulais attirer votre attention sur l'affiche du colloque qui nous réunit. Merci Cathy. Parce qu'elle elle est superbe, merci beaucoup. Elle est superbe cette affiche et je trouve que dans l'iconographie qui a été choisie, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Vous voyez un petit personnage qui est en équilibre sur un fil. Il est en équilibre sur un fil, c'est-à-dire qu'il n'est pas couché à terre, blessé, en situation de prostration, d'abattement. Il marche, ce petit personnage, donc il avance. Il avance. Il peut tomber, mais il a un filet de sécurité, il a une main en dessous qui lui dit « continue ta route, avance, je suis là s'il y a un problème ». Et donc il avance il fait ses choix, il peut choisir de s'arrêter, il peut choisir de reculer, mais il est libre, mais soutenu. Et je crois que derrière cette image très, très pertinente que les organisateurs du colloque nous proposent, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans les interventions et qui sont illustrées par cette image. Parce que si on synthétise les différentes interventions, que voit-on ? Eh bien que, au fur et à mesure, progressivement, différents outils sont mobilisés pour repenser la solidarité, pour repenser l'interdépendance des individus. Et il y a notamment deux outils principaux que j'ai cru voir, peut-être d'autres encore. D'abord, cette idée, enfin différents outils qui permettent de protéger contre les conséquences des inégalités sociales, et puis ensuite des outils qui permettent de mettre en place des mesures d'accompagnement. Alors, très brièvement, d'abord les outils qui permettent de protéger contre les conséquences des inégalités sociales, c'est vraiment revenu à chaque fois, dans toutes les tables rondes. Alors, par exemple, dans la table ronde sur la santé, revenait cette idée qu'il faut apprécier très concrètement le discernement de la personne, qui rédige des directives anticipées, de la personne malade qui consent aux soins. Donc une idée d'appréciation vraiment in concreto du consentement des personnes. Même idée qui revenait ce matin lorsque l'on a évoqué les questions de contrat et a été souligné le fait qu'il y a différentes formalités qui sont posées par la loi et qui permettent de s'assurer de la réalité du consentement des personnes.
dans la table ronde sur les étrangers, la table ronde numéro 4, revenait cette idée qu'il faut également protéger la dignité des personnes par un certain nombre de mesures qui sont destinées aux migrants, et notamment aux migrants les plus vulnérables. Il y a eu également toute une série d'interventions qui ont souligné la nécessité de sortir des effets de seuil et de sortir des catégories pour penser une prise en charge un peu plus globale, plus fine, plus personnalisée des personnes en situation de vulnérabilité. Alors, ces nouveaux outils, évidemment, ils présentent un certain nombre de risques, et ça a été évoqué également, notamment le risque que si l'on redistribue les cartes, si l'on sort des catégories de bénéficiaires, eh bien, il y aura peut-être des nouveaux gagnants, mais il risque d'y avoir également des perdants. Donc il faut s'attendre à ce que, lorsqu'on redistribue les cartes, eh bien, les différents joueurs voient leur situation évoluer. Mais il n'empêche que, la plupart du temps, ces outils destinés à accompagner la vulnérabilité vont avoir pour effet de prendre en compte plus finement les situations individuelles et permettre une meilleure protection des personnes. Il y a un autre outil qui a également été souvent mentionné. Outre ces outils relatifs donc à la protection contre les conséquences des inégalités sociales, ce sont les procédures d'accompagnement. Et là, je crois qu'on touche véritablement le cœur de la notion de vulnérabilité et des effets que cette notion régénératrice peut avoir sur l'ordre juridique, parce que la notion de vulnérabilité insiste sur l'interdépendance, la relation qu'il y a aux autres. Donc elle récuse cette idée qui était centrale dans le droit pensé depuis les Lumières, cette idée que le titulaire de droit, c'est un individu isolé, c'est un individu solitaire qui a des attributs et qui les exerce de façon rationnelle et autonome. Au contraire, la vulnérabilité souligne que nous sommes toujours plusieurs, nous sommes toujours plusieurs et que nos droits s'exercent dans le cadre de différentes relations qui se superposent les unes aux autres. Alors, quelles relations ? Ben là, il suffit de reprendre le programme, hein, les différentes tables rondes. La famille, d'abord, c'est ce qui a été dit dans le cadre de la première table ronde où on a souligné que, je cite, hein, « la famille est un outil d'accompagnement des vulnérabilités, que ça permet d'articuler les droits et les devoirs des membres afin d'assurer la sécurité des personnes, afin d'assurer le développement des personnes et notamment des enfants. Et tous les dispositifs de protection intrafamiliaux qui sont créés visent à penser cette interdépendance que la famille symbolise. » Alors, pas seulement la famille, dans le cadre de la table ronde numéro 2, on a eu un certain nombre d'exemples qui soulignaient que la situation de vulnérabilité du patient, elle peut paradoxalement conduire à renforcer ses attributs. C'est la conclusion introductive paradoxale de Caroline Lantero qui nous a dit que c'est la vulnérabilité qui rend fort. Pourquoi la vulnérabilité rend-elle forte le patient? Parce qu'elle lui assure un certain nombre de prérogatives, elle permet d'instituer un certain nombre de droits. Et toutes les tables rondes, alors je vais peut-être passer un peu rapidement, mais toutes les tables rondes ont souligné cette idée d'accompagnement des personnes dans les politiques de la ville. On vient de mentionner par exemple les conseils citoyens. Quel plus bel exemple que ces conseils citoyens dans le cadre des politiques de la ville, pour penser cette idée d'interdépendance et pour penser cette idée de mise en relation des individus, afin que de la concertation jaillissent des choix qui vont permettre d'assurer des protections contre des risques de vulnérabilité. Ça a été dit aussi dans le cadre du champ pénal. Il y a un des intervenants qui a dit qu'il fallait accompagner les personnes dans leur humanité. Je crois que là, on a une définition vraiment des effets juridiques de la vulnérabilité. Accompagner les personnes dans leur humanité, accompagner aussi bien les victimes que les auteurs d'infractions dans leur humanité, parce que, comme la vulnérabilité est une caractéristique de l'humain, elle désigne tout individu. On a eu les mêmes choses en matière de justice pénale, mais ça a été dit, je crois, de façon la plus ramassée,
Et c'est peut-être sur cette phrase que je vais m'arrêter. Ça a été dit de façon la plus ramassée dans le cadre de la table ronde sur le handicap et la dépendance. On a souligné le fait que la vulnérabilité, elle rejoint la notion de société inclusive. Et cette idée, donc, que c'est dans le cadre d'une relation, cette fois-ci à l'échelle de la communauté, communauté locale, voire communauté nationale, que l'accompagnement des personnes en situation de handicap peut se faire. Il s'agit de la citation de Christian Bonneau, qui vous a certainement marqué, si je vous la rappelle, vous vous en souviendrez. Il nous a dit « Ce ne sont pas les murs qui protègent, c'est l'accompagnement ». Ce ne sont pas les murs qui protègent, c'est l'accompagnement. Et je trouve qu'on a là un excellent élément de conclusion qu'on peut généraliser. Les murs, ça peut être les murs du droit. Et c'est certainement pas le droit en tant que tel et les catégories que le droit aime instituer qui protègent. C'est plutôt cette idée que d'une société inclusive fondée sur l'interdépendance et l'attention à l'autre que vont naître une protection contre la vulnérabilité, c'est-à-dire une garantie d'effectivité des droits des personnes. Et sur ce, je vous propose donc de conclure ces deux magnifiques journées en vous remerciant à nouveau de votre présence. Juste peut-être encore une minute d'attention en vous remerciant d'avoir participé donc à ces deux jours. Remercier nos intervenantes métropolitaines qui ont fait l'effort de se joindre à nos travaux. Donc évidemment le professeur Diane Roman qui vient nous faire la synthèse, mais également Gaëlle Lichardos et donc Caroline Lantero qui ont eu la gentillesse de faire le déplacement pour se joindre à nos travaux. Remercier également, si vous le voulez, vous ferez un merci collectif, remercier également les financeurs, et que je vous l'ai dit déjà hier, les financeurs ne sont pas que des gens qui nous apportent de l'argent, ils apportent aussi autre chose dans la réflexion, dans le mécanisme. Donc évidemment, il y a l'Université de la Réunion, la Faculté de droit et d'économie, le Centre de recherche juridique, il y a la préfecture, la DRJSCS, il y a également la CAF, l'IRTS et l'AFPA. Donc voilà. Que tout le monde soit remercié. Moi, je souhaite aussi remercier les petites mains qui font que ce colloque existe, c'est-à-dire tout le personnel de l'UFR Droit et Économie, puis notre association de malfaiteurs qui a veillé à filmer toute la manifestation. Donc, merci, merci à tous. Et puis, un grand, grand, grand merci, donc surtout à vous, participants, parce que c'est vous qui faites la richesse des travaux. Et puis, merci à François. Vous pouvez...